Les gars, pourquoi tu me frappes? Les gars, regardez les filles. Qu'elles sont les filles? Je sais pas, mais elles ont quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Je sais pas. Les gars, on va voir. J'ai dit, on va voir. D'accord, on va voir. Qu'est-ce que tu veux, David? Qu'est-ce que vous cachez? Rien. Pourquoi vous cachez quelque chose? On s'amuse. Hé les gars, les pizzas pour les dîners arrivent. Les pizzas. Allez, prête-le-moi, je raborde demain sans faute. Et puis, au début, j'avais de l'huile, mais là, je sais quoi, il est vraiment super ton crayon. Wow, Patty, ça c'est très beau dans le dessin. Je vais avoir une bonne note. Wow, c'est vraiment joli ton dessin, Patricia. Wow. Je n'ai rien compris à mon devoir de mathématiques. Je n'ai pas fait la moitié des numéros. Je n'ai pas le goût d'aller en récupération ce midi. Est-ce que c'est vrai cette histoire de crayon magique? Je ne sais pas de quoi tu parles, Nare. Allez, Nada, ne fais pas semblant. Je vous observe depuis une semaine. Allez, les filles, je vous ai entendu parler dans la cour de récréation. C'est vrai, Nare, mon crayon magique. Mais chaque fois que mes amis veulent l'utiliser, ils me donnent $1. $1? J'ai $1. Oui, mais pour les garçons, c'est l'une. $2? $2. J'ai $2. Cool. Voilà, maman. J'ai terminé ma lettre d'excuse. Très bien, Arek. J'ai tellement merci pour cette belle lettre d'excuse. Tu peux aller jouer maintenant. Merci. Qu'est-ce que tu fais, Nasser? Copie. $5. $5? $5. J'ai seulement $3. Attends. $3 et un de mes 2 points de pizza. 2 points. $3 et tes 2 points de pizza. D'accord. $3 et mes 2 points de pizza vendredi prochain. Tu vois, un peu de jour s'arrange avec moi. C'est vrai ce qu'Elias m'a dit? Ce n'est pas ce que tu crois, David. C'est à cause du crayon magique. C'est pas un crayon magique. Exactement, David. Ce n'est pas un crayon magique. Je veux que tu me prêtes un crayon magique. $10. $10? T'es folle ou quoi? Comme tu veux, David. Mais je pense que ça te prendra toute la soirée pour finir ta présentation orale. C'est demain le jour de la présentation.
Et les filles, c'est pas ce soir que la mère d'Alandra organise une soirée cinéma sur le banc de la piscine pour toute la classe? Tu as raison, Patricia, c'est ce soir. Par chance, j'ai terminé ma présentation orale. Qu'est-ce que tu fais, David? David! Alors que tu travailles plus fort. Je suis en train de compiler les notes pour le bulletin de la deuxième étape. Il n'y a pas de quoi écrire à ta mère. Concentre-toi et termine-moi ça. OK? OK. Monsieur Sonny? Oui, Elias. Comment je peux t'aider? Je ne comprends pas les mots ici. Monsieur Sonny? Oui, Soudi. La mine de mon crayon est cassée. Je n'ai pas d'autre crayon. Ok. Va à mon bureau et prends mon crayon qui est à côté du cahier de relevé de notes. Ok?